Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, un peu spécial, vous l'avez compris, c'est la 100e de Gunnet TV. Alors, 100e vidéo, que d'inepties diffusées depuis novembre 2016, date du lancement officiel de Gunnet TV. Alors, j'ai pris mon petit carnet de notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, c'était le carnet de notes officiel PlayStation pour le 20e anniversaire. Là, c'est pas vraiment un anniversaire, hein, puisque nous sommes à 6 mois et demi de diffusion. Mais ceci étant dit, bon voilà, il y a des choses à raconter, et donc on va voir ça ensemble. Alors, 100e vidéo, mais il faut savoir déjà que c'est faux, puisqu'il y a 105 vidéos sur la chaîne YouTube. Eh oui, oui, puisqu'il y a le générique qui n'a pas été comptabilisé, qui n'est pas accessible au commun des mortels. Il faut avoir le lien pour avoir le fameux générique de Gunnet TV. Il y a eu deux lives, et oui, deux lives hein, qui ont été faits pour tester les fonctionnalités YouTube du live. Donc j'ai fait Cannon Fodder sur Amiga et IS-4 sur PC Engine. Deux consoles, vous le savez, que j'affectionne tout particulièrement. Enfin, console et micro, puisque l'Amiga n'est pas une console. Et donc, deux vidéos qui ont été interdites. Alors ça, c'est un truc de fou. C'était à l'époque où j'ai voulu faire les meilleures séries britanniques, délirantes. Voilà, faire une sorte de sélection des séries britanniques à ne pas louper. Et j'ai été interdit dans le monde entier. Mais alors, sur la planète entière, il n'y a que Thomas Pesquet qui était dans l'espace qui pouvait regarder mes vidéos. Tous les autres, interdiction formelle. Alors j'ai dû la refaire trois fois. J'ai laissé quand même les versions d'origine. J'ai eu un strike de YouTube là-dessus. Et donc, les vidéos ont été interdites dans le monde entier. Pas un seul pays n'y échappe. Donc voilà, donc ça c'était pour l'aspect vidéo. Au niveau des statistiques, parce que je suis quelqu'un qui aime particulièrement les statistiques, donc j'ai étudié ça au peigne fin pour voir un petit peu en quoi certaines vidéos ne fonctionnaient pas, pourquoi certaines vidéos ne fonctionnaient pas non plus, et pourquoi certaines marchaient. Donc voilà, donc au 31 mai 2017, nous sommes 477 abonnés. Alors tout d'abord, un grand merci aux 477 personnes qui se sont abonnées. J'en reviens pas. Alors, c'est sûr que c'est peanuts à l'échelle de certains youtubeurs. Mais pour moi, 477 abonnés, écoutez, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a 477 personnes qui ont cliqué sur le bouton abonner parce qu'ils ont trouvé, à un moment donné, quelque chose qui leur correspondait sur ma chaîne. Alors, je ne sais pas quoi. C'est le grand mystère. C'est pour ça que j'aime bien les statistiques et que je veux faire ce genre d'analyse hein, pour savoir un petit peu le bout qui va devant, pourquoi des vidéos fonctionnent, pourquoi d'autres ne fonctionnent pas. Savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a plu sur Gunnet TV, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous détestez. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, et c'est vrai que depuis quelques mois, j'essaye d'améliorer un petit peu la technique sur Gunnet TV. C'est pas forcément réussi, j'en suis désolé, mais le principal, c'est que je prenne moi beaucoup de plaisir à animer cette chaîne. Et c'est bien là l'essentiel. Puisqu'il faut rappeler quand même, qu'est-ce qui fait le sel de YouTube ? C'est ce côté vidéo fait à la maison. Et donc, quand c'est trop professionnel, à un moment donné, on décroche. Parce que, bon, si c'est pour voir des acteurs, autant aller sur Netflix ou sur HBO ou sur Canal+, pour voir des bons films, des bonnes séries ou autres. Donc là, voilà, YouTube, c'est ce côté un petit peu amateur qui, moi, me plaît, qui me parle, puisqu'en fait, on peut partager nos passions, échanger directement à travers les commentaires. Et ma foi, c'est quelque chose qui interpelle les gens et qui permet une certaine interactivité entre vous et moi. Donc, un très très grand merci aux 477 abonnés qui, à un moment donné dans leur vie, ont cliqué sur le petit bouton rouge pour s'abonner. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui les intéressait sur Gunnet TV. Alors, il y a beaucoup de rétro gaming. Hein. C'est vrai que mes vidéos sont réparties de la façon suivante. 2/3 rétro gaming, 1/3 bande dessinée. Et j'ai remarqué parfois des désabonnements massifs, puisqu'il y a certaines vidéos BD qui ont bien marché. Je pense notamment à Tintin chez les Rombaldi, Franquin chez les Rombaldi, les idées noires de Franquin. Tout ce qui est BD franco-belge traditionnel, ça a plu pas mal de monde, donc j'ai eu pas mal d'abonnés BD qui sont arrivés. Et à partir de là, j'ai eu des désabonnements quand ils ont vu que je parlais de consoles ésotériques, style PC Engine ou Neo Geo. Et vice-versa, je veux dire, quand vous vous abonnez parce que vous aimez la PC Engine ou l'Amiga et qu'à côté de ça, vous chopez des vidéos sur de la bande dessinée, je peux comprendre que ça désintéresse certaines personnes. Bon, en tout état de cause,
Bon, l'essentiel, c'est que certaines personnes restent. Vous êtes 477, donc c'est sympathique. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, puisque, comme je l'ai dit précédemment, bah, c'est un moyen d'interagir avec des gens que je ne connaissais pas avant le lancement de cette chaîne. Et j'ai eu beaucoup de belles rencontres, beaucoup de belles surprises avec vous. Donc voilà, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, puisque je vais parler des chaînes de mes abonnés. Donc je vais faire des petits focus pour expliquer qui vous êtes, parce que c'est toujours intéressant. Au niveau des statistiques, donc 100 vidéos, qui ne sont pas 100, mais 105. 2 tiers rétro gaming, 1 tiers bande dessinée, ça je l'ai dit. 51 vidéos sur le rétro gaming en général. 32 sur la bande dessinée. Après, il y a pas mal d'inepties aussi qui ont été faites. La fameuse vidéo sur les meilleures séries britanniques, complètement déjantée et hilarante, qui était interdite. Bon voilà, ça c'est inclassable, hein, donc je l'ai mis dans la rubrique ineptie, puisque j'ai une rubrique ineptie où je mets des poissons d'avril, hein, comme par exemple la vidéo sur la dangerosité des jeux vidéo, ou encore l'histoire fabuleuse du premier pro-gamer français, Vincent Salangeon. Alors ça aussi, c'était un grand moment, parce qu'il y a plein de personnes qui ont gobé cette histoire, qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah bon, comment vous avez connu cette histoire? Qui est devenu ce jeune, le jeune Vincent Salangeon ?» Donc je le précise, des fois je fais des petites inepties, des petits délires comme ça. Ce n'est pas vrai, hein. Donc voilà, même s'il y a eu de la documentation qui a été réalisée, au final, bon voilà, c'est une histoire complètement bidonnée. Donc ça, je tiens à le préciser, parce que c'est une vidéo qui a encore sa petite 5-6 vues, voilà, par semaine, donc elle continue à faire son petit bonhomme de chemin. Au niveau des minutes de visionnage, puisqu'en fait, il faut le savoir, YouTube ne comptabilise plus forcément le nombre de vues. Vous pouvez mettre un lolcat, des conneries de chats, de chiens, d'animaux, de bébés qui tombent ou autre. Vous allez faire énormément de vues, mais ça ne va pas être forcément valorisé par YouTube. Et YouTube va, pas démonétiser, mais dévaloriser, entre guillemets, la qualité de ce produit. Donc, puisqu'en fait, chacune des vidéos que l'on peut faire sur YouTube a une sorte d'indice qualitatif pour essayer d'être mis dans des bonnes catégories et ensuite vendre ses produits, ses chaînes, ses marques à des annonceurs. Donc le fonctionnement de YouTube maintenant est basé plutôt sur les minutes de visionnage. Donc ceux qui ont une chaîne YouTube se rendent compte avec Analytics que ils mettent plutôt en valeur les minutes de visionnage plutôt que le nombre de vues. Alors c'est sûr que c'est toujours plus flatteur d'avoir un nombre de vues important, mais moi, à titre indicatif, je me suis rendu compte que certaines vidéos marchaient beaucoup mieux que d'autres, puisque même si elles étaient moins vues que certaines vidéos sur les jeux vidéo, je pense notamment des vidéos sur la bande dessinée, la durée de visionnage était beaucoup plus importante. Les gens effectivement décrochaient moins, puisqu'en fait Analytics permet de voir le décrochage. Quand quelqu'un clique sur une vidéo, forcément au début on est tous à 100%, et puis au bout de 2-3 minutes, les gens commencent à décrocher. Donc voilà, donc on a ce genre d'analyse, et il y a certaines vidéos qui sont très longues que j'ai réalisées, des lives par exemple, où les gens décrochent relativement rapidement quand ça ne les intéresse pas. Ils se rendent compte que bon, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Un live sur Cannon Fodder ou un live sur IS-4, c'est quand même très très particulier. Et on peut comprendre qu'effectivement, ce genre de vidéo ne fonctionne pas vraiment en termes de minutes de visionnage. Par contre, de très belles surprises, hein, sur certaines vidéos. Le plus gros carton de la chaîne Gunnet TV, il faut le savoir, c'est celle qui est consacrée au livre de Julien Chiez, intitulé « Tu le crois ça ?» à propos d'Alain Huyghe Lacour. Alors, cette vidéo a été diffusée fin avril. Et malheureusement, elle est arrivée un petit peu, donc c'était une vidéo qui parlait du livre d'Alain Huyghe Lacour, donc écrit par Julien Chiez, et cette vidéo a été diffusée au moment où Julien Chiez se faisait licencier, limoger de Gameblog. Donc forcément, il y avait plein de gens qui tapaient Julien Chiez dans les moteurs de recherche, et puis ils sont tombés sur ma vidéo, ils ont commencé à cliquer dessus, et puis de fil en aiguille, puisqu'en fait c'est le mot-clé numéro 1 de la chaîne Gunnet TV, c'est Julien Chiez. Ça aussi, les mots-clés, c'est toujours rigolo. Mais c'est le mot-clé numéro 1, Julien Chiez sur Gunnet TV. Ça peut être surprenant, mais voilà. Il y a eu cette vidéo qui a fait un petit peu de buzz.
allez, 6000 vues et puis je ne sais plus combien de minutes de visionnage, mais c'est assez surprenant. Donc, sur Gunna TV, tenez-vous bien, 105 554 minutes de visionnage entre le lancement de la chaîne, c'est-à-dire mi-novembre 2016 au 31 mai 2017. Soit 104 jours et 13 heures. Alors ça, c'est surprenant. Quelque part, je me dis, j'ai fait perdre 104 jours et 13 heures de vie sociale à des gens, puisqu'ils ont regardé Gunna TV pendant ce temps-là. Donc ça me flatte, ça m'interpelle. Et quelque part, bon voilà, c'est sympathique. Alors bien sûr, ce genre de statistiques, certains youtubeurs les font en une journée, voire en une heure, hein, si on pense à Cyprien ou Norman. Mais voilà, à mon niveau, ben voilà, je suis plutôt flatté d'avoir été regardé 105 000 minutes. Voilà. Donc le total de vues, ben, Gunna TV, 41 264 vues. Et d'où venez-vous? C'est la question que tout le monde se pose. Hein. Quels sont les viewers de Gunna TV? Eh bien écoutez, en grande partie, vous venez de France, forcément. En seconde position, Belgique. Troisième position, les Suisses. Le Canada en quatrième position. Et là, forcément, je salue nos amis québécois, puisqu'en fait, on peut affiner les statistiques et voir que vous venez du Québec. Et enfin, alors là, cinquième position, je suis surpris, c'est le Japon. Voilà, beaucoup de Japonais qui viennent sur ma chaîne YouTube. Alors sans doute, est-ce lié à la PC Engine? Il y a fort à parier qu'effectivement, comme certains titres sont très spécifiques, hein, je pense au meilleur générique PC Engine, où il y a des titres typiquement japonais qui sont référencés, forcément, eh bien écoutez, les Japonais, quand ils cliquent sur leur moteur de recherche, arrivent sur Gunna TV. Voilà. Alors, sur quelle machine regardez-vous Gunna TV? À 63% sur un ordinateur. 63%, c'est pas négligeable. 24% sur votre téléphone portable. 7,9% sur une tablette. 2,9% sur une console de jeu. Alors là, pareil, ça m'interpelle aussi, hein, Xbox, PlayStation 4. Vous regardez Gunna TV sur vos consoles, c'est rigolo. Et puis, 2,1% regarde Gunna TV sur une télévision. Donc, c'est quelque chose qui est sympathique. Alors, au niveau des vidéos, bah, effectivement, j'ai parlé de la vidéo qui cartonnait le plus, c'est celle d'Alain Huyghe-Lacour. Une ancienne vidéo commence à bien marcher, c'est le scandale de la Sega Master System française, le FM Gate. Alors là, pareil, c'est une vidéo qui fait plus d'une heure. Au début, bon, je pensais pas que ça allait intéresser du monde, mais je me rends compte que là aussi, en termes de statistiques, on a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de personnes qui viennent regarder cette vidéo. Qui commence à mon avis à être bien référencé puisque voilà toutes les semaines il y a une quarantaine de vues sur cette vidéo qui est relativement ancienne comme je l'ai déjà dit. Donc voilà quelque chose ben, effectivement qui est plutôt plutôt intéressant, le scandale de la Sega Master System qui fonctionne au fil du temps. Au niveau de la bande dessinée, ben, écoutez, là c'est simple, hein, les grands classiques, hein, que ce soit Franquin, Hergé. Ben voilà, ça marche plutôt bien. Plus on est sur des auteurs qui sont moins connus ou des séries qui sont moins connues, bah ça marche moins bien. Voilà, là c'est un petit peu la loi des moteurs de recherche malheureusement. Si ce n'est qu'il y a une vidéo qui a plutôt bien marché, deux vidéos BD qui ont bien marché, c'est celle de Robert Crumb. Donc il y a deux vidéos qui ont bien marché en termes de bande dessinée, c'est Robert Crumb avec mes problèmes avec les femmes, et puis la seconde c'est Lucky Luke. Par Mathieu Bonhomme. Donc, qui a tué Lucky Luke? Ça, c'est une vidéo BD qui a plutôt bien marché et où j'ai eu beaucoup de retours. Donc, c'est assez intéressant. Puisqu'il faut savoir que moi, j'écris en parallèle des petits articles sur Gameblog, donc où je tiens un blog. Et comme son nom l'indique, hein, Gameblog, c'est un site qui permet d'écrire des blogs sur les jeux vidéo et autres. Et donc, bah, le fait d'écrire aussi sur Gameblog, il y a une autre communauté sur Gameblog. Donc, voilà, où les gens me laissent aussi des commentaires. Alors, je fais un petit coucou amical à Donald, hein, qui est un fidèle parmi les fidèles de Gameblog et qui publie régulièrement, qui commente aussi régulièrement, entre guillemets, mes articles de blog.
Et j'aime bien cette dualité, avec effectivement des articles qui sont parfois un peu plus détaillés, un peu plus fouillis sur, en version écrite forcément, illustrés de photos, et puis qui renvoie vers le lien vidéo de cette chaîne YouTube. Donc cette synergie entre Gameblog et la chaîne Gunnet TV ben, est plutôt bénéfique, hein, puisque le fait que Gameblog soit très bien référencé sur Internet, c'est un atout pour la chaîne Gunnet TV, puisque je vois qu'en termes de référence externe, Gameblog arrive numéro 1 en tant que source externe de Gunnet TV. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui lui appartient, et un grand merci à Gameblog, puisque en fait, sans ce site internet, eh ben, je ne serais pas présent sur Gunnet TV. Alors, paradoxalement, c'est Julien Chiez que j'avais eu l'occasion de rencontrer une fois, il m'avait invité à visiter les locaux de Gameblog. Donc j'ai eu cette chance d'y aller et de visiter un petit peu la rédaction de Gameblog. À l'époque, il m'avait dit, tu devrais relancer ton blog, hein, qui est inactif depuis pas mal d'années. Et puis, pourquoi pas bah, lancer ta chaîne YouTube, puisqu'à l'époque, j'envisageais de lancer une chaîne YouTube, mais je n'osais pas franchir le pas. Et donc, bah, c'est Julien Chiez, hein, qui m'a dit, bah, écoute, vas-y, tu devrais. C'est pas parce que tu as plus de 40 balais que tu peux pas faire de chaîne YouTube. Et puis à côté de ça, bah, il y a mon fiston hein, qui lui aussi a une chaîne YouTube. Puisqu'en fait, sur Gunnet TV, nous sommes YouTubeurs de fils en père. Voilà, c'est paradoxal, mais ça vient des enfants. Et donc c'est mon fiston qui m'a dit, bah écoute, papa, tu parles beaucoup de bandes dessinées, de jeux vidéo, de vieux trucs vidéoludiques. Tu devrais en parler sur Gunnet TV, parce que, sur Gunnet TV, sur YouTube, hein, puisqu'en fait. Bah écoute, c'est le genre de sujet qui peut marcher. Donc voilà pourquoi je suis arrivé sur YouTube, tout simplement parce que bah écoutez, Julien Chiez m'en a parlé, et puis j'ai le fiston qui m'a dit, bah écoute, tu devrais te lancer, après tout, tu risques rien. Donc je me suis lancé sur YouTube, et alors maintenant je peux en parler parce que tout le monde le sait, mais parallèlement à cette activité de YouTubeur, dans la vraie vie, je suis le maire d'une commune de 3000 habitants. Et également vice-président d'une communauté d'agglomération, une communauté urbaine. Et donc je voulais pas mélanger les genres, je voulais pas qu'on dise ouais, c'est un blog vidéo, il va faire son Mélenchon, il va faire son Florian Philippot, il va faire de la politique, etc. Donc non, le but du jeu initialement, c'était de faire 100% de la passion. Ce qui me passionne, moi, c'est la bande dessinée, ce sont les vieux jeux vidéo. Même les jeux vidéo actuels, je les aime bien, je joue encore à la PlayStation 4, sur PC ou autre, mais j'ai une affection particulière pour certains types de jeux vidéo. Notamment des consoles comme la PC Engine, la Sega Master System, la Neo Geo, et bien évidemment l'ordinateur Amiga, auquel je voue un culte sans fin. L'Amiga 500, l'Amiga 600, l'Amiga 1200, ce sont des machines que j'ai eues à titre personnel. J'ai encore plusieurs Amiga 1200 chez moi. J'ai également un Commodore 64, donc voilà, ce sont des machines qui, moi, me plaisent, et j'avais envie, effectivement, de les mettre en valeur. Comme le Virtual Boy, par exemple, qui a fait l'objet d'une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, j'avais envie de parler de sujets qui m'intéressaient, et ne pas forcément mélanger les genres avec la vie publique, la vie politique, et puis la vie de gamer, la vie de rétro-gamer et de passionné de bande dessinée. Donc c'est comme ça qu'est né Gunnet TV, une chaîne un petit peu particulière, puisque... Elle mêle à la fois de la bande dessinée et du rétro gaming. Mais j'ai été démasqué, hein, forcément. Il y a toujours des journalistes qui sont un petit peu à l'affût et qui ont vu qu'il y avait une activité sur mon compte Twitter, qui se sont dit, bah, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait le maire? Et c'est pas normal, là, il parle de jeux vidéo, il parle de bande dessinée, qu'est-ce que c'est? Et puis voilà, de fil en aiguille, ils ont remonté un petit peu la source, ils ont vu que je faisais une chaîne YouTube, et ça fait l'objet de quelques articles dans la presse locale. Donc voilà, maintenant que tout le monde le sait, bon, c'est plus vraiment gérer un secret, mais vous l'avez remarqué, je ne fais jamais de politique et je n'en ferai jamais sur Gunnet TV, parce que voilà, c'est pas le lieu ni l'endroit, on n'est pas là pour influencer qui que ce soit. Et quand j'ai envie de parler politique, ben, j'échange avec vous en off, puisqu'en fait, voilà, j'ai des échanges parfois avec vous en off sur tel ou tel sujet. On m'a demandé quel bord politique j'étais, qu'est-ce que je faisais dans la vie, machin, etc., pour qui j'allais voter à la présidentielle. Donc voilà, encore j'ai fait une vidéo sur les dossiers secrets des élections présidentielles, mais c'était un petit clin d'œil humoristique, c'était absolument pas orienté politiquement. Votons Jacques Chirac en avant toute la nation.
Alors, l'autre point rigolo que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette fameuse vidéo interdite hein, sur les meilleures séries britanniques complètement délirantes. Alors là, c'était vraiment un coup de cœur pour moi parce que je souhaitais vraiment faire une vidéo sur des séries qui, moi, m'ont vraiment botté à l'époque parce que j'aime bien tout ce qui est décalé, j'aime bien ce qui sort de l'ordinaire. Et l'humour britannique est l'un des meilleurs humours, si ce n'est le meilleur humour au monde. Et donc, bon, on connaît forcément, je dirais, Mr. Bean, Benny Hill, on connaît ce qui a toujours été diffusé, mais il y a des petites pépites qui existent. Je pensais notamment à Father Ted, les Monty Python aussi, qui sont forcément beaucoup plus connus. Mais voilà, donc je voulais mettre des petits extraits de séries, IT Crowd aussi, une série qui a plutôt bien marché outre-Manche et qui est complètement décalé et qui moi voilà et je voulais vraiment en parler. Donc j'avais monté ma vidéo, il y avait plus d'une heure de vidéos, de commentaires et d'extraits. Et puis lors de la diffusion, effectivement, tout m'est tombé dessus. Interdiction totale, impossible de la visionner dans le monde entier. Donc je l'ai remonté une seconde fois en enlevant les extraits, puisqu'en fait la BBC m'interdisait de diffuser telle ou telle séquence. Pourtant, c'était des séquences courtes, hein, je veux dire, c'était pas non plus. Il y avait une heure de vidéo, mais effectivement, avec 10 séries, quand vous ramenez, vous aviez quoi, 3-4 minutes à chaque fois d'extrait. Mais voilà, les logiciels de détection de YouTube ont vu que voilà, il y avait des droits d'auteur sur ces vidéos. Alors par exemple, Monty Python, j'ai pu la laisser dans la vidéo finale, puisque je suis arrivé au final à une vidéo qui ne fait plus que 24 minutes. Mais qui est encore interdite dans pas mal de pays. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis interdit quasiment dans toutes les contrées britanniques. Partout où on parle anglais, hop, c'est interdit, y compris au Canada. Donc, c'est dommage pour nos amis québécois, mais ils ne peuvent pas voir cette vidéo. Pourtant, c'est la troisième version qui a été faite, mais elle est encore interdite dans pas mal de pays au monde. Et puis, alors voilà, chose surprenante, quand on regarde le détail, dans quel pays suis-je interdit, on découvre des trucs un peu farfelus comme les îles Coco Killing. Alors là, pareil, je ne savais pas qu'il y avait un pays dans le monde qui s'appelait les îles Coco Killing. Donc, écoutez, moi, je me suis renseigné parce que voilà, Gunnet TV, c'est aussi une chaîne d'investigation. Les îles Coco, anciennement îles Killing, sont un archipel corallien de l'océan Indien. Formées autour de deux atolls principaux, elles constituent depuis 1984 un territoire extérieur de l'Australie, formellement identifié comme le territoire des îles Coco. Outre le fait que les 600 habitants demeurent sur un archipel paradisiaque, ils ne peuvent malheureusement pas bénéficier de toutes les vidéos disponibles sur Gunnet TV. Mais ils n'ont pas l'air de s'en plaindre. Bien, donc nous allons maintenant passer donc aux chaînes de mes abonnés. Parce que voilà, le but aussi de Gunnet TV, c'est de mettre en valeur votre travail. Parce que moi, je trouve que le but aussi de YouTube, outre ce côté vidéo fait à la maison, passion partagée, l'objectif, c'est aussi voilà, d'échanger entre nous et puis de montrer ce que font les autres, parfois mieux que soi. Et je suis tombé parfois sur le cul, excusez-moi l'expression, quand j'ai vu le travail de certains autres youtubeurs qui sont passionnés et qui font un travail exemplaire. Donc, alors, excusez-moi si je ne cite pas tout le monde, mais vous comprendrez que je ne peux pas. Il y a 477 abonnés. Moi, je ne vais pas dire 80 qui ont des chaînes, mais il y en a quand même pas mal. Moi, j'étais surpris, agréablement surpris. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant avec le fait de réaliser des vidéos sur une thématique particulière, puisqu'en fait, j'ai pris un angle d'attaque qui était assez surprenant, c'était parler des livres de rétro gaming. Je me suis rendu compte que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas beaucoup de livres sur le rétro gaming, et c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, parce qu'en fait, ces ouvrages sont généralement très bien écrits, ils sont faits par des passionnés, donc le packaging est beau, la couverture est belle, le produit, globalement, est valorisé, on sent que la passion transpire dans les pages. Puisque c'est très très bien documenté, et en plus, voilà, ceux qui écrivent ces livres, quelque part, veulent faire un travail encyclopédique, un travail historique. Florent Gorge parle de Playhistoire, et il a raison. Donc voilà, donc il n'est pas question de raconter des âneries. Autant à l'écrit, à l'oral, pardon, je peux dire n'importe quoi, autant à l'écrit, comme on dit, les écrits restent. Et donc, il y a un soin tout particulier, il y a une précision
très spécifique pour chaque console qui est apportée sur tel ou tel processeur ou autre, sur tel ou tel développement d'un jeu. Il y a toujours des coquilles, mais quelque part, voilà, on voit qu'il y a un travail qui est très très bien fait. Et moi, je souhaitais mettre en valeur ces livres sur le rétro gaming. Donc, c'est un peu aussi la petite patte Gunnet TV, la marque de fabrique Gunnet TV, c'est de parler des livres qui traitent du rétro gaming. Et certaines vidéos marchent bien. Alors, à mon niveau, hein, je veux dire, quand j'ai une vidéo qui est vue 500 ou 600 fois ou 800 fois, par exemple, sur la Bible Nintendo, ou plus de 1000 fois pour les 101 jeux Amiga de David Tadei, bon, ça fait plaisir parce que, bon, voilà, on reste plus dans l'anecdotique où on est vu par un cercle d'amis, et quand vous dépassez votre nombre d'abonnés en termes de vues, bon, quelque part vous dites, vous touchez au-delà de votre audience habituelle. Donc Les 101 jeux Amiga est un livre qui a plutôt bien marché. Je parle de la vidéo en fait, hein. Donc c'est plutôt intéressant. La Bible PC Engine marche toujours très bien. Voilà, c'est des vidéos qui sont vues une dizaine de fois par semaine. La Bible Neo Geo, l'anthologie Neo Geo, c'est pareil, ça marche toujours bien. Et bien sûr, dès qu'il y a du Nintendo dans le lot, ça marche très très bien. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. La seule Bible qui n'a pas vraiment bien marché, c'est la Bible Nintendo 64. Voilà, donc bon, c'est ainsi. Donc pour revenir aux abonnés, encore mille excuses si je vous oublie au passage. Mais voilà, je ne peux pas citer tout le monde, vous l'avez bien compris. Et en premier lieu, je vais citer, j'irai le fiston qui m'a lancé sur YouTube, Monsieur Autruche, où il parle de CSGO, donc Counter-Strike, pour ceux qui ne connaissent pas, Global Offensive, et d'autres choses. Voilà, il fait un petit peu des trucs conceptuels, donc allez voir, c'est parfois surprenant, surréaliste. Il fait beaucoup de montage en fait, hein, et il travaille beaucoup sur des logiciels dont je suis incapable de maîtriser les fonctionnalités. Donc moi, je n'utilise pas ce genre de logiciel. Vous me demandez souvent comment je réalise mes vidéos. Et ben c'est simple, hein. C'est fait à l'iPhone 6S Plus, donc voilà, qui me permet de faire des vidéos et pas mal d'inepties. Derrière, je fais du montage tout simplement sur iMovie. Voilà, c'est rudimentaire. Et bon, ma foi, parfois il y a des problèmes de son, je m'en excuse, mais je compte investir dans un micro un petit peu plus puissant. Mais revenons à ce qui nous intéresse, les chaînes des abonnés. Donc en premier lieu, Monsieur Autruche, j'en ai parlé. En second lieu, Alex Menki. Alors là, c'est une très très belle découverte en ce qui me concerne. Et automatiquement, quand je parle d'Alex Menki, j'associe NLK, enfin Olivier dans la vraie vie, NLK 77, puisque voilà, ce sont deux passionnés de l'Amiga. NLK, c'est lui qui m'a fait la petite intro que vous avez vue, en introduction, forcément. C'est bon, enfin bref, une fast intro codée sur Amiga, donc faite par NLK New Look 77. Donc un grand merci à toi Olivier, parce que ça me touche, hein, pour un fan d'Amiga, avoir une petite fast intro Amiga, forcément ça fait plaisir. Donc merci à toi pour ce codage et ces graphiques, enfin tout ce que tu as pu faire autour de cette vidéo. Un grand merci. Et Alex Menki, voilà, autre grand passionné de l'Amiga, musicien de son état, qui nous fait des vidéos. Alors je vous invite à aller visiter sa chaîne si vous êtes amoureux de l'Amiga, puisqu'en fait il extirpe toutes les séquences sonores des jeux Amiga qui nous ont marqués à l'époque. Donc Alex Menki, en plus, réalise des morceaux musicaux indépendamment de l'Amiga, puisqu'il est compositeur et musicien. Et donc je vous invite à aller voir son site web, worldofmenki.fr, et vous y découvrirez des pépites audio, et que j'utilise d'ailleurs dans pas mal de mes génériques. Voilà, donc il faut le savoir, quand je fais des morceaux, il y a certains morceaux que j'aime bien d'Alex Menki, comme Memories, Pierre Feuille Ciseaux par exemple, que vous avez souvent entendu dans mes vidéos. Donc voilà, donc c'est lui qui m'a, enfin il m'a autorisé à utiliser ces musiques, et je l'en remercie.
Et donc, franchement, allez voir donc la page Facebook d'Alex Menke et également celle de NLK77, puisqu'en fait, lui, c'est un codeur et il fait des petites intros de fou. 100% Amiga, c'est voilà, c'est un pur et dur, un puriste tel qu'on les aime de l'Amiga. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Autre chaîne qui moi me plaît beaucoup, c'est celle d'Upsilandre. Upsilandre, c'est le docteur des jeux vidéo. Même pas un docteur, c'est un conférencier, hein, puisqu'en fait il décortique le fonctionnement des jeux vidéo. Les sprites, bon, voilà, les pixels. Il va calculer quand Mario saute, ben, voilà, combien de pixels il saute par rapport à la version NTSC. Donc voilà, il fait des comparatifs PAL, NTSC, fréquence d'horloge et tout, etc. Honnêtement, c'est du petit lait. Bon, les vidéos durent parfois un peu longtemps, encore plus que sur Gonet TV, donc pour vous dire. Mais c'est un régal pour apprendre le fonctionnement des jeux vidéo. Pourquoi, ben voilà, il y a telle ou telle couleur, quelle est la palette de couleurs utilisée. Donc voilà, il décortique sur son bureau d'ordinateur. Vous avez l'émulation qui est faite du jeu et à côté, voilà, la palette de couleurs utilisée, puis plusieurs entre guillemets, plusieurs informations qui sont en parallèle. Et lui, ben voilà, comment décortique le fonctionnement de tel ou tel jeu. Il y a un speed play, un speed test, non, un long play plutôt sur Castlevania qui est assez bluffant, puisqu'en fait voilà, il décortique le jeu à vitesse grand V, pareil pour Mario, et c'est du petit lait. Donc voilà, donc je vous le recommande chaudement. Après, en termes de fans de rétro gaming, alors là j'en ai une flopée, hein, il y a une flopée de passionnés. Je pense à Mafio Geek, hein, dont la chaîne est extrêmement conviviale. On voit que ça respire le bonheur et puis le plaisir de jouer. Donc c'est vraiment du rétro gaming à l'ancienne. Donc Mafio, salut à toi. Je sais que ça fait plusieurs années qu'il est présent sur YouTube et c'est une chaîne qui mérite franchement le détour parce que voilà, il parle avec passion du rétro gaming et c'est toujours intéressant. Les Two Frenchies Gamer, qui est pareil, hein, donc c'est deux potes qui jouent ensemble aux jeux vidéo rétro. Donc là encore, salut les Frenchies Gamers, c'est très bien ce que vous faites, donc continuez de la sorte. Après, alors j'ai pris mes notes, hein, bien évidemment, donc je regarde qui je vais citer maintenant. Alors il y en a pas mal, hein, Rétro Gaming, là je peux vous dire qu'il y en a une flopée. Moi j'aime bien particulièrement Rétro Jaka, puisqu'en fait il vit en Corée et donc il nous fait des brocantes, des vides-greniers à Séoul. Donc il y a plein de chaînes qui font des vides-brocantes, sauf que lui, bah voilà, il a choisi un lieu qui est un petit peu particulier, Séoul. Donc Séoul, hein, j'ai pas dit Séoul, j'ai dit Séoul. Voilà, donc il fait des brocantes à Séoul et ma foi, il dégote des trucs complètement fous. Alors bien sûr, c'est beaucoup de produits japonais forcément. Produits d'importation et il a à chaque fois des petites merveilles, des petits trésors qui apparemment ne sont pas vendus très cher. Alors je cite également Buffy 972. Là on n'est plus vraiment sur du rétro gaming, mais je sais que c'est une fidèle de Gonet TV, donc je salue Buffy 972 et je vous invite à aller voir sa chaîne. Il y a une très belle succession de vidéos sur Nier Automata. Donc voilà, c'est du tout bon si vous souhaitez découvrir ce jeu. Je salue également Kales, qui elle est plutôt spécialisée dans Mario Kart. Hein, diffuse pas beaucoup de vidéos, mais pareil, c'est une fidèle de Gonet TV, donc je tenais à saluer les gens qui sont fidèles à ma chaîne. Ravage Blog, là voilà, là on est sur un autre registre, pardon. Pareil, vous voyez des petits inserts pendant qu'on discute. Enfin, on est plutôt dans un monologue, donc on discute pas vraiment. He was baseball mad, had the fever and had it bad. Just to root for the hometown crew, every Sioux.
Mais voilà, Ravage Blog, c'est un site, une chaîne YouTube que je vous invite à visiter. Il y a Maharek aussi, Maharek, je ne sais pas si je ne prononce bien, mais j'adore sa boucherie, puisqu'en fait, lui, il est spécialisé dans les jeux vidéo, dans tout ce que vous voulez, rétro gaming et autres. Mais voilà, la boucherie, c'est sur les jeux d'horreur. Et voilà, si vous voulez avoir un petit peu quelques petits frissons, c'est l'occasion ou jamais. Enfin, des copains revendeurs de jeux vidéo, Cone Movie Store et leur bancomètre sur les films qui sortent. Enfin voilà, c'est expérimental, c'est conceptuel comme chaîne, puisque c'est un magasin de jeux vidéo. Donc entre deux clients, bah voilà, ils s'amusent à faire des petites vidéos dans leur boutique. Donc Cone Movie Store, ça s'appelle. Et bah écoutez, ma foi, allez jeter un petit coup d'œil. Si vous êtes pas loin de chez eux, bah, vous pouvez aller même acheter vos jeux chez les revendeurs indépendants, parce que voilà, c'est important de faire vivre les commerces indépendants plutôt que les grandes chaînes, hein. Je ne vais pas citer le nom, mais bon voilà, on ne fait pas de politique, mais il y a aussi des grandes chaînes de distribution de jeux vidéo, voilà, qui ne sont peut-être pas forcément les mieux placées pour vous vendre des jeux de qualité. Je ferme la parenthèse, donc allez voir Cone Movie Store. Pêle-mêle, citons Pixelmania Mr. Chou. Là aussi, attention, hein, c'est du très lourd. Bon, la qualité de ces vidéos est largement supérieure à celle de Gonet TV, n'ayons pas peur de le dire. Il y a, voilà, il y a plus d'ancienneté aussi, il faut le dire. Hein. Il est plus présent depuis plus longtemps que moi sur YouTube, et ses vidéos sont extrêmement bien documentées, et franchement, il y a de la qualité. Pistolet à bulles, là encore, une belle petite chaîne que je vous invite à visiter. Donc pareil, je mettrai quelques petits inserts pendant que j'évoque la liste des abonnés. Comme je suis un amoureux de la musique, parce que pour moi, il faut le savoir, la musique prend une place très importante dans les jeux vidéo. Parfois, j'irai même quasiment tout le temps, une belle musique compense des graphismes qui peuvent être gérés décevants. Je pense notamment à la PC Engine quand je dis ça, puisqu'en fait, il y a des jeux qui sont dispensables, mais qui ont des musiciens hors pair et qui bénéficient de bandes son tout simplement exceptionnelles. Donc là encore, franchement, c'est du tout bon. Moi, je suis fan des bons musiciens. C'est pour ça que j'aime bien Alex Menki, parce que voilà, lui aussi, il a une sensibilité particulière. C'est pour ça que j'aime bien l'Amiga, parce que sur l'Amiga, ben, il y avait des musiques extraordinaires. Et quand vous écoutez Shadow of the Beast, que ce soit sur Amiga ou sur CD-ROM PC Engine, voilà, c'est toujours un régal pour les oreilles. Donc comme j'aime bien les musiciens, bah, je ne sais pas pourquoi, j'ai quelques musiciens qui sont venus sur ma chaîne YouTube. Alors je vais citer aussi un chanteur, voilà, Tyris de Lopez. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien le Tyris de Lopez. Donc voilà, qui m'a fait d'ailleurs une offre de générique musical. Donc je le remercie gentiment. Peut-être lors d'une prochaine évolution de Gunnet TV, je ferai appel à tes talents. Mais voilà, il a mis un extrait tout récemment de ce qu'il faisait, et c'est plutôt fort sympathique. Depuis toujours, elle rêve gazon, celui des ailes de pigeon. Fait perdre la boule, celui qui fait lever les foules. Loin est le temps des grandes victoires. BFG Game Passion de l'ami Monsieur Louvet. Alors là, pareil, c'est une chaîne de folie. Je vous invite vraiment à la visiter. Vous apprenez des tonnes de choses. Et moi, ce qui me plaît sur les chaînes YouTube, c'est d'apprendre des choses. Si c'est pour aller voir, voilà, des perdre mon temps sur Internet et voir que la personne ne m'apporte rien, voilà, ça sert. Pour moi, j'ai perdu mon temps. Donc, avec BFG Game Passion, là, vous apprenez beaucoup de choses sur les jeux vidéo. C'est du rétro gaming, mais vraiment de passionnés. Il apporte beaucoup de choses, il commande, il fait partager un petit peu ses dernières acquisitions, les spécificités de sa collection. Donc là encore, c'est du tout bon. Franchement, allez-y, si vous êtes un rétro gamer dans l'âme, c'est quelque chose qui vaut le coup d'œil. Je me rends compte que je fais des digressions, alors ça c'est mon grand défaut, je pars sur un thème et je rebondis sur un autre, je m'égare, je me paume dans les méandres de mes notes, pourtant j'ai tout bien noté, comme vous voyez, j'ai la liste
des gens que je dois citer, que j'ai sélectionnés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un fan de la musique. Et j'ai la chance d'avoir Frédéric Moreau parmi mes abonnés. Frédéric Moreau, ce sont les violons de France. Et là, les gars, les petits amis, attention, maestro, c'est un virtuose. Donc je vous propose simplement d'écouter une petite séquence. C'est tout simplement transcendantal. Voilà, alors nul doute qu'avec cet extrait musical, je vais sans doute avoir encore des problèmes avec YouTube qui va me dire attention, droit d'auteur, tac tac. Bon, donc voilà, mais c'est pas grave, je suis prêt à perdre mes droits d'auteur sur cette vidéo. Tant que ces droits d'auteur se dirigent vers Frédéric Moreau et les violons de France, eh ben ce n'est pas grave. Voilà Frédéric, tu sais, je ne suis pas à 15 centimes d'euros près, je suis prêt à te les céder bien volontiers. Donc, pour l'anecdote, Frédéric Moreau, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque où nous jouions en réseau. Et c'est quelqu'un que j'aime tout particulièrement, puisqu'en fait, il est fidèle en amitié. Et donc, la fidélité en amitié, c'est important. Donc, voilà, je tenais à lui faire ce petit clin d'œil, parce que ça a été l'un des premiers abonnés à la chaîne Gunnet TV. Alors, je ne suis pas sûr qu'il percute sur les sujets PC Engine ou autre, parce que, bon, c'est pas trop sa tasse de thé de se dire... ce Gunned est complètement fou, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit toujours abonné à ma chaîne et qu'il vienne régulièrement me faire un petit coucou. Et enfin, un coup de cœur BD, parce que j'ai pas évoqué beaucoup de chaînes de bande dessinée, mais il faut le savoir, il y a un abonné qui fait des vidéos absolument sidérantes. Ça s'appelle La Case. Bon, La Case BD, vous avez fait le lien. Franchement, allez voir ça, si vous aimez la BD bien sûr, allez voir le montage qu'il réalise, franchement c'est du travail professionnel. Et là je m'incline bien bas devant la qualité de son écriture parce que non seulement les chroniques sont très bien écrites, mais en plus le montage est absolument extraordinaire. Donc bravo à toi et longue vie à la chaîne La Case. Aujourd'hui, je vais vous parler des 9 derniers mois de ta vie de petit con, ou 9DM pour les initiés, le premier ouvrage de Cookie Calcaire où il raconte sur 80 pages les 42 semaines de grossesse de sa femme. Entre autobiographie et autofiction, Cookie Calcaire, qu'on va appeler Kiki pour simplifier, nous propose un guide à destination des futurs pères à travers une sorte de carnet de bord ou plutôt de carnet intime où il dévoile son quotidien de l'annonce de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et c'est édité aux Arènes BD en mai 2016. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, donc encore une fois, un grand merci à vous pour votre fidélité. Moi, ça me fait énormément plaisir de faire des vidéos pour vous.
de partager ma passion pour les jeux vidéo, le rétro gaming, le rétro reading, hein, la lecture de vieux livres qui ne sont plus forcément disponibles. C'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Et ça me fait beaucoup de bien d'en parler avec vous. Voilà, donc, et j'adore vos retours, donc c'est toujours très constructif de faire évoluer une chaîne ensemble. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, sur tel ou tel sujet qui vous taraude, des choses que vous aimeriez que j'aborde dans le futur. Pourquoi pas, voilà, je suis ouvert à toute proposition, tant qu'elle n'est pas bien évidemment indécente, hein. Voilà, en tout état de cause, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation. Alors je ne sais pas si je vais continuer à dire à toutes, puisqu'en fait, c'est une statistique que j'ai oubliée, 95% de mon public est masculin. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est, si c'est lié aux jeux vidéo ou à la bande dessinée, mais pour moi, le public généralement est plutôt mixte dans ces deux thématiques. Ou peut-être est-ce moi qui rebute la gente féminine ? Je me pose quelques questions existentielles sur le sujet. Bon, toujours est-il que bon, voilà, 95% de mon auditoire est masculin. Donc voilà, bon, on est entre hommes, c'est pas grave, mesdames. Mais voilà, ça me peine un petit peu quand même. Je dis ça comme ça. Bon, voilà. Écoutez, au revoir et à très bientôt sur Gunnet TV. Merci pour votre fidélité.